beaucoup et bienvenue dans la cuisine des Régales des Anges. Hi, marhaba, kifkoun oulek, ahlo sahla fikoun. Ansoma, aoudansé. Aujourd'hui, nous allons faire un cake aux pommes et avec des fruits secs, si je peux dire. Voilà. Donc, moi, je vais faire deux moules. Pour deux moules, voilà, j'ai 10 œufs. J'ai pris un verre comme ça et demi de sucre. Là, je vais battre mon sucre et mes œufs. Je vais laisser dans la barre d'infos l'équivalent d'un seul cake. Faire du huile. Hatit achar baydat, kbay ou nous met le hodi min le sucre. Ou halaz la kbay de zed ou kbay min le halib. Et j'ai mis encore un verre de d'huile. Pour les graines, j'ai besoin de anis bien saune, achir laïmon, zeste de citron, herset malh, une pincée de sel et du cœur d'amande. Croyez-moi, le cœur d'amande dans un cake, c'est que du bonheur. Mahachouait hal, herset hal, mahek. J'ai ici deux paquets de levure, pardon, trois, j'en ai mis trois paquets de levure à pâtisserie et j'ai là trois verres de farine, celui-là c'est le quatrième. Là, je vais ajouter mes raisins secs. أبداً هلا بعدين بنحط لكم أنا بالصندوق الوصف كل الميزور تبعت كيك واحد واللي بده يعمل اثنين مثله بيزيدها يعني بيعملها دوبل ما هيك il faut que la pâte le plus important quelle que soit la farine que vous avez il faut que vous avez une pâte qui fait ça vous voyez ça c'est la pâte qu'il vous faut. Pour les cakes, ça devient moelleux et très bien. Sinon, si vous salissez le bord, au moment où la pâte commence à monter, dès qu'elle arrive au petit bout que vous avez sali le bord avec, elle arrête de gonfler. Alors, pour les pommes, on nettoie, on enlève le milieu. Ceux qui veulent enlever la peau, ils peuvent enlever. Et ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucun problème. Donc, on vient. Et on coupe vraiment fin. On fait des tranches très fines. Et ceux qui ont une mandoline comme ça, ils peuvent le faire aussi. Les amis, on prend notre pomme et notre feuille et on vient la poser. Et on essaye d'enfoncer le bout, mais pas le dos. Ok? On met une sur l'autre, comme vous voyez. On enfonce un peu et hop. Pour faire une deuxième rangée. En fait, je vais essayer de créer des pétales de rose. Mais ça, jamais là, je suis en train de la saupoudrer avec du sucre cristallisé, ok? Et je vais l'enfourner à 160 degrés, avec, le four est préchauffé d'avance. Et je vais vous laisser tout, comme je l'ai déjà dit, je vais me répéter, je vais vous laisser tous les ingrédients pour un cake dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Et si j'ai oublié quelque chose ou si vous n'avez pas compris quelque chose, ce sera un grand plaisir de vous répondre. Shukran ilkoum ba'd. Yalla bye.